care about is money in the city that I'm from. I'ma sip until I feel it, I'ma smoke until it's done. I don't really give. Bonjour tout le monde, c'est Sartek, j'espère que vous allez en tout cas moi ça va bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale parce que j'envoie cette vidéo à Code QG et Code Chef. Vous aurez remarqué leur intro au début de la vidéo. Donc je suis désolé pour Code QG, hein, l'intro en 2D, hein, je sais que d'habitude on met l'intro en 3D, mais voilà, mon Camtasia Studio bug énormément. Donc voilà, mais au moins c'est une intro de Code QG. Donc voilà, donc pourquoi j'envoie cette vidéo à Code QG, tout simplement parce que j'ai un sujet important et intéressant en même temps. Donc voilà, donc je vais vous parler de tout aujourd'hui. Mais juste avant le gameplay, mais même juste avant le tour, j'aimerais remercier Nixigra, je sais pas si ça se prononce comme ça. Je mettrai le lien de sa chaîne dans la description, pardon. En fait, c'est lui qui m'a fait le gameplay, donc je suis vraiment reconnaissant parce que j'ai essayé de faire une vidéo pendant quoi 3 jours et puis j'ai jamais été capable. Donc je le remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc voilà. Donc le gameplay, donc on est sur Stand-up hein, domination. Donc voilà, on est avec la SWAT. Avec viseur réflexe, poignée ergonomique et balles blindées. Les atouts sont poids léger, robustesse et dextérité. Désolé, je regarde sur ma feuille, donc je suis comme ah merde, c'est quoi ça? Donc voilà. Donc oui, un gameplay qui va être assez intéressant parce que vous allez voir que il va débloquer vous l'avez déjà débloqué. Il y a déjà débloqué, c'est Score Streak, je pense qu'on appelle ça comme ça. En tout cas, je sais pas vraiment. Mais voilà, et puis voilà, il va faire un assez beau score. Et puis voilà. Donc oui, c'est ça le sujet. En fait, le sujet concerne plutôt les chaînes communautaires. Parce que oui, on peut voir ça sur d'autres chaînes, les chaînes normales, là, pas comme des chaînes communautaires, mais moi je vois plus ça sur des chaînes communautaires parce que sur les chaînes communautaires, il y a de la jalousie. Et ben oui, vous l'aurez peut-être remarqué, les commentaires sur les vidéos des chaînes communautaires. Ah putain que ça l'empêche. C'est fou merde, il y a toujours des commentaires, ok, que ce soit de jalousie ou d'insultes, il y en a toujours, toujours. Allez voir toutes les vidéos des chaînes communautaires assez connues comme Code QG, Code CF, Play Geek TV, je sais plus, Play Comedy Club ou quoi que ce soit, vous allez toujours voir des commentaires. Vraiment, moi je déteste. C'est des commentaires qui servent à rien, c'est vraiment des insultes, je vais vous en présenter quelques-uns. On va commencer par la jalousie, mais sérieusement, la jalousie, je crois que c'est ça qui est le pire parce que on s'entend que sur les chaînes communautaires, parce que oui, des insultes peut en avoir sur d'autres, des vidéos normales, des vidéos que les gens postent, mais de la jalousie, pas vraiment, hein, parce que de la jalousie, il y a souvent ça sur les chaînes communautaires parce que, exemple, t'as pas été choisi, puis quelqu'un d'autre a été choisi, mais tu trouves que sa vidéo est nulle à comparer à la tienne, et bien ça peut être de la jalousie. Ça, c'est de la jalousie. Et puis, moi, je commence à être tanné de voir des vidéos. Moi, je suis toujours calme dans ma chambre en regardant des vidéos. Et je regarde les commentaires, il y a toujours un commentaire, là, ou un, ou plusieurs, même. Et puis, moi, je trouve ça vraiment dégueulasse. Donc, la jalousie. J'en ai pris un. Vraiment, là, ça démontre vraiment la jalousie. Le mec, il écrit. J'ai fait un gameplay de 125-2. Et toi, t'as fait un petit gameplay, correct. Puis, j'ai pas été choisi. Là, il écrit d'autres choses, disant que c'était con, c'était pas égal, ou un truc du genre, je m'en rappelle plus vraiment, mais ça, si vous ne trouvez pas que c'est de la jalousie, ok, allez vous faire soigner. Regardez, s'il a pas été choisi, il dit que son gameplay est bon. Bon, oui, 125-2, c'est pas nul, ça j'avoue. Est-ce que c'était avec
Un commentary? Est-ce que c'était un sujet? Si le sujet, tu parlais des tomates, c'était peut-être pas le bon sujet. C'est comme pas un bon sujet, tu sais. Si je parlerais des tomates pendant 10 minutes, les tomates sont rouges, avec quelque chose de vert sur le dessus. Et c'est quand même bon, il y en a qui aiment peut-être... Bon, on trouverait que c'est ennuyant. Donc oui, ça c'est un exemple assez connard. Mais voilà, et puis... C'est ça, le sujet, peut-être le gameplay il était bon, mais le sujet il était-tu bon? Est-ce que c'était, je sais pas moi, une vidéo puis quelqu'un t'a rajouté une musique par-dessus? Oh, ça j'ai pas vu ça sur Code QG, Code CF. Donc, voilà, ça peut être n'importe quoi. C'est moi, je trouve que les gens sont... Je sais pas, on dirait qu'ils comprennent pas. Moi, sérieusement, les premières vidéos que j'ai faites sur ma chaîne, ben c'est pas vraiment les premières, mais en tout cas, allez voir ma première vidéo, vous allez comprendre. J'avais envoyé mes vidéos à Code QG, Code CF. En fait, j'avais pas vraiment de sujet. Je parlais genre, salut, mon retour. Merde, tu mets pas ça sur Code QG. Et puis, je me suis amélioré. Je me suis dit, ouais, j'avoue, il y a sûrement une raison. Si t'as pas été choisi, là, il y a sûrement une raison, comme lui qui a fait un gameplay de 125-2. Sûrement qu'il y a une raison, moi, pourquoi il a pas été choisi, hein. C'est pas parce que, oh, t'aimes pas la face, on te choisira pas. C'est parce qu'il y a une raison, donc il faut se pratiquer, il faut regarder mes premières vidéos et regarder celle-là, je me suis vraiment améliorée. Et le commentary que je fais en ce moment, je l'ai fait quoi, 5 fois, je pense, j'ai recommencé 5 fois. Et puis, moi, sérieusement... Je vais pas aller engueuler Code QG, Code CF s'ils ne choisissent pas. C'est juste qu'il faut que je m'améliore. Si je prête pas cette vidéo-là, je vais aller les emmerder. Non, pas du tout. Mais je vais juste m'améliorer. Je vais aller voir mes vidéos. Je vais aller dire, ah, peut-être que ça, je pourrais l'améliorer et tout. Peut-être que c'est la qualité du micro et tout. Ça peut être n'importe quoi. Donc là, je veux juste essayer de me dépêcher. Parce que je vois qu'il me reste pas trop beaucoup de temps pour me présenter. Donc, il y a aussi les insultes. Les insultes, il y a beaucoup, beaucoup de ça. Exemple, quelqu'un écrit « Avec quelle arme tu joues ?» Et puis là, il y a quelqu'un qui écrit « T'es con ?» Il l'a dit au début de la vidéo. Pourquoi? Je fais comme Cyprien. Ben oui, pourquoi, merde? Ça sert à rien. Il l'a dit au début de la vidéo. Faut revoir. C'est quoi, là, dire « T'es con ?» C'est comme si une dame échapperait son sac à main dans la rue. Mais t'es con ? Échapper dans le sac à main. Oh my god. Ça, c'est la même affaire. C'est des inconnus, tu connais pas, puis c'est la même affaire. Moi, je dis t'es con à mes amis, puis à mes amis, mais c'est des blagues, là. On essaie de dire t'es con, puis là, c'est comme tout insultant. Pensez-y avant de dire des commentaires, d'écrire des commentaires, pardon. C'est vraiment, là, moi, là, je trouve que on est en 2013 et puis les gens s'emmerdent là, ça va être la troisième guerre mondiale en 2015. J'étais en 2015 parce que dans un an environ, je dirais pas 2014 parce que 2014 c'est dans bientôt, hein. Et puis voilà, donc moi sérieusement, faites un effort. Si vous êtes pour écrire un commentaire nul, pensez-y, sérieusement, pensez-y. Donc voilà, donc c'est la fin du sujet, donc je vais me présenter. En fait, moi, j'ai commencé sur cette chaîne en avril. Si vous allez sur ma chaîne en ce moment, j'ai beaucoup, beaucoup de gameplay. Mais j'arrête les gameplay à cause que je suis pas assez bon. Donc, je me lance dans le let's play. Tant qu'à avoir un HDPVR, faut bien s'en servir. Donc, je me lance dans le let's play. Et puis, dans les vidéos GFX. Donc, le lundi, j'ai un let's play sur Black Ops 1. Et le vendredi, ça va alterner à chaque semaine. Une semaine, ça va être un speed art. L'autre semaine, ça va être un tutoriel GFX sur Cinema 4D. Je donne des trucs, pardon, et tout. Et puis, il devrait avoir un autre let's play le mercredi qui va commencer au début du retour des classes. Donc, je sais pas c'est quoi encore. J'en ai aucune idée, aucune espèce d'idée. Mais voilà, donc c'est une courte présentation de moi. Puis les gameplays, je devrais recommencer ça parce que là, faut vraiment que je me pratique. Je me pratique avec des bots. J'ai commencé à matin à me pratiquer. Donc, je sais pas comment on dit ça, hein, des bots, en tout cas. Donc, voilà, c'est déjà la fin.
avec un beau score de 30-11. Donc voilà. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vert, à commenter la vidéo et à vous abonner. Donc Gamer sur Tech Skiller. Donc je vous dis à la prochaine. Allez, bye bye.